mange sans sauce. Bon, alors pour les axes de charnière de mâle arrière, tout compte fait, c'est vrai que j'en ai acheté des neufs, mais tout compte fait, je vais garder ceux-là, parce que ceux-là, je vais pouvoir les percer, et puis leur mettre une petite goupille comme celle-là, là. Ce qui me permettra, une fois que je les aurai coupés, bah, de les sortir et de les graisser comme je veux, hein, puisqu'on a vu que comme ils n'étaient pas graissés, ce qui se passe, et bah, ça casse. Donc pour ça, je ressors mes axes. Je les remplace par un tournevis. Donc là, j'ai fait un repère au feutre bleu ici. Je vais essayer de percer au bon endroit. Qui va pas être facile. Voilà, c'est pointé. Je vais mettre un peu de gras. Bon alors, après perçage, coupage. Bon allez, un petit peu d'ébavurage. Je remets mes deux axes. Rondelle, la petite goupille, alors une rondelle, la petite goupille, voilà. Comme ça, je pourrais graisser mes axes quand je voudrais, il n'y a pas de problème. Et puis là, de toute façon, même si on retire l'axe, ça ne peut pas sortir la malle, hein, c'est coincé dans la charnière. Bon, alors évidemment, j'ai fait la même chose avec les deux axes qui tiennent la chaîne à l'intérieur. Ah bah tiens, j'avais commandé mes poignées de porte. Justement, elles sont arrivées, je vais pouvoir les monter sur la voiture. Donc ça veut dire que je me suis commandé deux poignées de porte, les joints qui vont avec, et aussi les petites vis de fixation. Alors, il y a ça des deux côtés de la malle, hein, deux poignées sur les malles plates. Donc, ah oui, c'est vrai, il y a une petite surface de chrome qu'il va falloir que je lime, là, je pense. Oui, bah, comme c'est comme ça, comme toutes les poignées, ce que je fais, je les coince dans un étau, et je vais... Voilà, surfacer la partie chromée. Bon alors, une fois que j'ai viré le chrome, je mets le joint. Alors, il y a des petits centreurs ici, là, on voit bien. Il faut donc mettre... non, c'est dans ce sens-là. Après, ça rentre là-dedans. Les centreurs se mettent
Ok. Je vais la fixer avec des vis. Voilà, je me suis préparé mes trois petites vis. Là. Ah bon, j'arrive pas à mettre mes petites trois petites vis. Alors pourquoi? Parce que le joint, il fait une surépaisseur là, il a une petite lèvre. Donc il faut d'abord passer la lèvre par-dessus le chrome de la poignée. Voilà, pour supprimer cette épaisseur. Et le joint après prendra sa place et là ça ira. Donc je vais réessayer comme ça. Donc pareil, les deux centreurs dans la malle. Alors voilà, faut que j'appuie un peu sur la poignée tout en faisant passer le joint. Les vis sont peut-être un peu courtes et j'arrive à faire prendre... Voilà, là j'ai réussi à faire prendre la vis. Donc il y en a encore une là, mais faut que je fasse passer le joint derrière. Voilà, ce qui ne va pas être simple. Voilà. Donc c'est un jeu de patience, hein, comme d'habitude. Voilà, le joint est passé derrière. Je mets la vis et hop, j'appuie dessus en même temps. Et voilà, le tout c'est de faire passer le joint au-dessus du chrome. C'est vrai que les vis sont peut-être un peu courtes. Voilà, je le laisserai comme ça le joint va prendre sa forme et il sera plus facile à monter une fois que la voiture sera peinte. Voilà, là c'est verrouillé, là c'est déverrouillé. Oui, alors je l'ai mal monté de toute façon, donc il va falloir que je la redémonte. Parce que verrouiller, c'est pas dans ce sens-là. Ah, bravo, hein. Ah, puis mince, je m'aperçois d'autre chose. Ah ben, ça marche pas le barillet. Eh, c'est des pièces neuves, mais bon, il y a deux, trois trucs à revoir, hein, parce que... Bon, il va falloir que je redépose tout de toute façon, et puis que je voie pourquoi les barillets ne marchent pas. Allez, je redépose donc... ma poignée. Là, j'ai fait mes trois vis. Bon, alors, je commence à comprendre un petit peu le problème. Alors là, on voit, hein, là, il y a les tétons de fixation, avec les trois vis sur la malle, normalement. Et là, c'est déverrouillé, c'est-à-dire que ça tourne. Et si jamais à un endroit, je tombe sur le bon verrouillage, là, hop, ah ben voilà. Là, la poignée avec les tétons de centrage est fixée. Et là, c'est bloqué, ça tourne plus. Génial. Seulement, le problème... c'est quoi qu'il arrive, pour que ça marche, il faut que ce soit dans ce sens-là. Et ça, à mon avis, ça doit pas être bon. Moi, je pense que les poignées de porte doivent être vers le bas. Enfin, j'en suis pas sûr, je vais vérifier, mais ça me chiffonne un petit peu. Ah oui, j'ai été vérifié. Ben, effectivement, là, sur la photo, on voit bien. Hein, les poignées de malle arrière, elles sont vers le bas. Ça colle pas. Bon, ça doit pas être grand-chose, je vais démonter ça. Bon, alors la première chose à faire, bon, c'est de retirer la clé, évidemment. Hein. Après, là, on voit bien, il y a un clips. Je vais mettre une pince à clips. Voilà. Et on va retirer le clips. Donc, on retire cet objet-là. Donc, et on voit bien cet objet-là, ici, là. C'est là que doit rentrer le verrou, le petit verrouillage. Voilà, le petit verrouillage, on le voit là. Voilà, il sort. Il va se mettre dans son logement ici, là, à cet endroit-là. Et la poignée est bloquée, elle peut plus tourner. Le problème, c'est qu'il se met bien dans son logement, mais quand la poignée est en haut. Et moi, je veux que ça soit quand la poignée est en bas. Donc, je suppose qu'il suffit d'inverser la position du petit verrou qui est là. Donc, pour ça, il faut démonter le barillet. Donc, ce que je fais ici, on voit bien, il y a une petite vis là. Là, je vais la dévisser. Et maintenant, voilà, le barillet va sortir. Et maintenant, je vais sortir, je vais essayer de sortir le petit verrouillage. Voilà, le voilà. Le petit verrouillage. Et on voit bien, il a un sens.
Donc je le retourne d'un demi-tour, je le mets dans l'autre sens. Voilà, je vais remettre maintenant le barillet. Alors, il a un sens lui aussi. Voilà, et maintenant, donc ça, ça marche toujours, on voit bien. Bien, alors je vais remettre la petite vis qui verrouille mon barillet. Je me demande s'il ne faudra pas que je la remonte avec de la colle Loctite d'ailleurs. Il ne faut pas trop la bloquer, sinon ben, ça ne tourne plus. Alors, j'y représente l'autre pièce. Je remets le petit clips. Voilà. Alors, je représente ma poignée sans joint juste pour voir si je ne me suis pas trompé. Donc, les détrompteurs sont en haut, dans les trous de la malle. Voilà, ok. Donc là, hop, là, c'est déverrouillé. Là, je fais ça et voilà. Et là, c'est verrouillé. Et ben, c'est bon. Voilà, il suffisait de faire ça pour que ça soit dans le bon sens, quoi. Ah, ben, c'est bien. Fallait savoir. Bon, ben, hop, je représente la poignée ce coup-ci avec son joint. Les tétons de centrage ici, bien fixés dans la malle, bien dirigés. Trois petites vis. Allez, j'appuie dessus pour pouvoir les visser, les faire prendre. J'écrase le joint. Voilà, je fais bien prendre mes trois petites vis. Il faut que j'appuie fort dessus. Voilà, il faut que le joint passe au-dessus du chrome. Hein. Bon, alors, ce coup-ci, la poignée est en bas, la malle est verrouillée. Enfin, est fermée. Voilà, si je fais ça, elle s'ouvre, impeccable. Je refais ça, je mets la clé. Bon, c'est un petit peu... Mais ça doit passer, voilà, d'accord. Je retire la clé. Ce coup-ci, c'est verrouillé. Voilà, je ne peux pas retirer la malle. Je ne peux pas ouvrir la malle. Voilà. Hop, je vais déverrouiller. Voilà. Voilà, maintenant, j'ouvre la malle. Parce qu'ici, là, à cet endroit-là, il me reste une petite vis à mettre. Voilà, on voit sur l'autre poignée, elle vient se visser ici, là, au bout. Donc, on voit bien, là, ma poignée, elle arrive ici. Donc, là, j'ai pas cette vis-là d'origine, mais ça fait rien. Je vais y mettre une petite Torx, là, qui se trouve régulièrement, je crois, sur les Xantia, on en trouve, des comme ça. Bon, là, j'ai une petite rondelle. Hop, voilà, et ça va très bien, parfaitement faire l'affaire. Elle est peut-être un petit peu trop longue, il va falloir que je la raccourcisse, parce que là, elle est trop longue. Donc je vais voir ça, je vais organiser ça pour que ça aille bien. Bon, les raccourcissements de la vis de Xantia. Voilà, maintenant que je l'ai coupé, hop, hop, je représente ma vis de Xantia. Et voilà, j'ai plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Bon, même chose pour l'autre poignée. Ah, je lime un peu les chromes. Alors de l'autre côté, pour bien mettre ma poignée vers le bas, ben, je commence par... Allez, voilà, je verrouille ma malle arrière. Après, ma poignée, il y a deux centreurs ici. Je la positionne. Voilà, là c'est positionné verrouillage. Et là, j'ai vérifié quelque chose, ce qu'il y a de bien.
Voilà. Et ben, c'est que là... Là, là, apparemment, ils l'ont mis dans le bon sens. Donc, je n'aurai pas la serrure à démonter, déjà. Le barillet. Donc, je présente tout de suite. C'est mon joint en caoutchouc, qui a des trous exprès, que je mets sur la poignée. Voilà, je le force bien. Voilà, je fais passer ça bien sur le chrome. Voilà, comme ça. Bon, il va ressortir, mais il va se mettre, hein. Hop, je présente ma poignée en position donc mal fermée. Les centreurs sont dedans. Une, deux, trois vis. Donc maintenant, j'appuie bien dessus pour faire passer le caoutchouc. Et voilà, j'essaye déjà de faire prendre une vis. J'y arrive pas, je vais essayer celle d'en bas. Hein, ça va bien finir par passer. Voilà, je fais passer bien le caoutchouc. C'est le piège, hein. Le caoutchouc fait une épaisseur. Ah, j'y arrive pas. Les vis sont quand même un peu courtes, hein. C'est de reconnaître. Voilà, là j'ai une vis de prise, donc à chaque fois je fais le tour comme ça pour bien faire passer le caoutchouc. Voilà. Voilà, deux vis de prise. Le caoutchouc, il faut le faire passer. Voilà. La troisième. Voilà, les trois vis sont prises, j'ai plus qu'à les serrer. Voilà. Et ça verrouille. Bon allez, je rouvre ma malle. Alors, une petite vis de Xantia que j'ai préalablement raccourcie, une petite rondelle. Voilà, les poignées de porte arrière sont montées. Alors c'est du montage à blanc, hein, pour voir ce que ça donne, hein, parce que vous avez bien vu, bon, j'ai dû apporter 2-3 modifications, donc ça me permettra, une fois que la voiture soit peinte, ça va se remonter plus facilement. Si je monte ça une fois que la voiture est peinte, c'est galère. Bon, alors l'autre problème qu'il faut que je résolve tout de suite, c'est au niveau du joint de caoutchouc ici. Donc pour l'instant, pour commencer, j'avais mis ça pour me dépanner. Alors ça, c'est un joint de Twingo, hein, je crois. Donc l'ennui, c'est qu'il est trop court. Et heureusement pour moi, sur le net, j'ai trouvé ça. Alors, si je le déballe, voilà, il se présente comme ça. Alors d'origine sur la voiture, normalement, c'est un joint un peu en rond, comme ça. Là, je prends une durite pour vous montrer, qui est en forme de boudin, qu'on colle. Et en le collant, bon, c'est vrai que bon, mais moi j'ai refait ma partie, ma gouttière complète, donc je préfère pas faire comme ça parce que ça s'oxyde derrière, on voit pas ce qui se passe et c'est souvent comme ça que les caisses pourrissent. Bon, ça pourrait tenir un bon moment, hein, surtout que de la colle à pare-brise. Et une fois qu'on ferme la malle, bah c'est cette partie là, là ici, là, c'est ce gros qui vient faire étanchéité contre le joint en l'écrasant. Bon, mais moi, je compte pas faire ça, quoique je peux le faire après, hein, quand même, hein, je pourrais remettre un joint, mais je vais mettre plutôt ça comme ça. Donc j'avais essayé avec mon joint de Twingo, et ça allait très bien en faisant comme ça. Hein, il venait faire porter ici, au lieu de faire étanchéité ici. Bon, et celui-là,
il viendra à faire étanchéité comme ça. Ou plutôt comme ça. Bon, allez, je commence à placer mon joint en partant d'en bas. Voilà, je le place comme ça jusqu'à de l'autre côté. Je fais tout le tour, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, et là ça s'arrête ici, hein. Ça veut dire qu'il faut que je rajoute un autre joint différent ici que je collerai, bon ça je verrai plus tard. Et l'ennui c'est que l'eau rigole à l'intérieur de cette voiture, hein. C'est fait exprès. On voit bien d'ailleurs, il y a une gouttière là derrière où l'eau rentre à l'intérieur et ressort par en dessous derrière. Donc ça va falloir que je règle ce problème là, j'aime pas trop cette solution, mais enfin pour l'instant on va en faire comme ça. Voilà, mon joint préparé de la sorte. Et ben voilà, ça fait bien étanchéité, il n'y a pas de problème. Voilà, de la sorte, il ne me restera plus qu'à trouver un système de joint ici que je collerai avec de la colle à pare-brise. Et faire une étanchéité aussi au-dessus des charnières. On voit, en fin de compte, l'eau va rigoler à l'intérieur de la malle arrière. Bon, ben pendant que je suis dans la colle à pare-brise, je vais m'occuper de ma trappe d'entrée d'air. Et oui, parce qu'on se souvient que j'avais dû la refaire, ressouder des petits bouts de ferraille, et en fin de compte, je vais pas pouvoir remettre le joint qui vente d'origine. Déjà, j'arrive pas à les remettre, ces joints-là. Bon, il y a peut-être, suivant les fabricants, de plus ou moins bonne qualité. Donc, je vais faire autrement. Bon, alors, voici ma trappe d'aération, qui est fraîchement peinte, on peut le dire. Du film étirable. Alors, je recouvre ma trappe d'aération avec le film étirable. Comme ça. Voilà, je rabats bien le film étirable sur les bords. Voilà, alors une fois mon cellophane étendu, bon ben voilà, là, j'en ai laissé... plutôt 2 cm par là. Voilà, je le tends bien sur les bords, là, comme ça. Et maintenant, je vais le rabattre à l'intérieur. Voilà, tout autour, comme ça. Je fais bien les bords. Je le rabats à l'intérieur. Voilà, comme ça. Voilà, tout du long. Allez, je finalise certains endroits avec un adhésif en plastique. De la sorte. Ah, cela dit, il faut que je vous rappelle que si vous êtes à la recherche d'une trappe d'entrée d'air, à partir de 1952, les trappes d'entrée d'air changent de pas grand chose. Hein. C'est juste que la taille qui est ici du support, avant 52, ça fait 55 mm. Et après 52, ça fait, disons, 4 cm. 40 mm, enfin 39 mm, vrai. Donc ça, c'est à savoir si vous cherchez une trappe. Bon, alors ma trappe ainsi cachée, je vais y mettre un petit peu d'huile sur le cellophane, à ces endroits-là, voilà, mais c'est... Voilà, j'étale l'huile, c'est vraiment léger à faire, hein, c'est juste parce que je vais mettre de la colle à pare-brise et je veux pas que ça colle. Alors comme d'habitude sur la partie l'autre, ben là j'utilise du tiro pour faire un savant cachage, hein, mieux que je peux. Alors une fois le cachage effectué, je prends un primaire et hop là, voilà, je fais tout le tour. Alors, une fois le primaire mis, ah ben alors là, plus délicat, on va mettre de la colle à pare-brise. Voilà, alors j'étale un peu mon joint de la sorte. Maintenant, moment encore plus délicat.
je vais glisser la trappe, voilà, en place, en quelque sorte. Et maintenant, il faut que je la visse en place, par en dessous. Voilà, je serre la trappe par le trou qui est dans la batterie. Voilà, alors moi je leur ai mis des vis Torx, hein, c'est plus pratique. Et une fois les trois vis serrées, alors je place ma trappe au bon endroit. Voilà. Et maintenant je vais faire un joli joint. Alors pour ça, j'utilise un gant caoutchouc en plastique, là. Voilà, ça me permet de repasser partout dessus pour obtenir le joint que je veux. J'ai pas assez de colle, là. Bon, une fois que j'ai obtenu le joint que je voulais, je peux décacher voilà, comme ça. Par contre, le reste, je ne vais pas le défaire tout de suite. Je le défrai dans 4-5 jours, hein, parce que là, sinon, ça va être une catastrophe. Ah oui, quand même, je vais en dessous, là. Et je vais arranger un petit peu le joint en dessous, là, comme ça. Cette sorte, bon, on s'en fout en dessous, mais que ça soit à peu près bien, quoi. Bon, allez, nous sommes 5 jours plus tard. Alors, voyons voir... apparemment, ça tient bien. Hein. Alors, je vais, avec une lame de cutter, faire légèrement le tour, comme ça. Autour du cellophane.
Ça, ça va vraiment faire joint. Hein. Des endroits où il faut que je repasse. Il faut vraiment prendre une lame bien neuve. Hein. Il y a des endroits où la colle est passée sous le cellophane. Elle avait dû se déchirer. Hein. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de gras. Bon, ça se passe pas comme j'avais prévu parce que je suis un petit peu obligé de retailler le joint là. En biseau. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est collé de l'intérieur. Ça me fait un petit peu prendre la tête. Voilà, du coup, je vais me glisser en dessous et le tableau de bord. Il va falloir que je force ici, parce que là, je suis en train de forcer et d'écarter la trappe de son support.
Bon, ça veut dire que j'aurais dû mettre plus de gras hein, sur ma trappe et surtout derrière, là, sur le bord. Bon, maintenant, il faut que je retourne fignoler le joint. Donc pour ça, je vais redéposer la trappe. Bon, du coup, je redéfais les trois vis. Et elle colle encore, hein. Ah, c'est sûr, j'ai pas dû mettre assez de gras, hein. Bon, j'en ai déjà fait où ça s'est mieux passé, mais la prochaine fois, bah, je mettrai plus de gras, parce qu'on voit bien, là, il y a de la colle qui s'est foutue là, et j'arrivais pas à m'en débarrasser. Bon, alors maintenant, je vais retirer ça. Voilà. Le cellophane. Et je vais découper un peu l'excédent de colle, parce qu'il y en a de trop, là. Bon allez, je représente ma trappe, voilà, je la fais descendre et je voudrais maintenant qu'elle s'incorpore bien dans le joint. Bon alors bien sûr, là actuellement c'est un peu juste, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'à certains endroits je taille un peu en biseau pour que la trappe rentre de nouveau dans son joint. Alors là, j'ai redéposé la trappe, et voilà, délicatement, avec une lame de cutter, je vais essayer de virer, de tailler ça un peu en biseau, là, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment... Voilà, il va falloir prendre le temps de retailler le joint comme ça. Hein. De toute façon, on fait une voiture de collection pour soi-même, donc le temps n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de faire quelque chose de bien. Alors, le joint maintenant taillé, hein, je représente ma trappe. Voilà, là, elle rentre bien. Je vais y mettre les trois petites vis. Voilà, donc j'ai bien placé ma... trappe, là je serre les trois vis et maintenant et voilà hein. Si jamais je vois qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il faut que je retaille, je le ferai, mais sinon là on voit j'ai réussi à faire le joint. Bon, ça n'a pas été simple et il va falloir quand même que je rattrape à un endroit qui me plaît pas trop, mais je vais faire ça tout de suite. Donc, je redépose ma trappe. Et là, à cet endroit-là, où j'ai dû découper la colle, là, on voit bien parce que ça avait pris dans la trappe, bah, va falloir que je comble ici. Donc, je vais remettre un petit peu de colle à pare-brise et puis refaire le moule. Alors, du coup, la partie concernée de ma trappe, bah, j'y mets de nouveau du cellophane. Alors là, je vais y mettre de l'huile, hein, pas un peu plus que la dernière fois, parce que j'ai été très déçu. Hop, je badigeonne avec de l'huile, surtout ici, là, là. Alors, juste à l'endroit concerné où il y a un manque, bah, c'est là que je vais remettre un petit peu de colle à pare-brise, qui va reprendre dans celle qui est déjà prise, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, et maintenant, j'ai plus qu'à rebaigner ma trappe dedans. Voilà, je la mets bien en position partout ailleurs. Là, des... Hop. Voilà, comme ça, c'est rattrapé, j'ai plus qu'à laisser sécher.
Bon, alors, comme d'habitude, j'ai attendu que la colle prenne, et là, ce coup-ci, alors, j'espère que ça va mieux venir. Ce serait bien, ouais. En effet. Voilà, déjà, là, je viens de récupérer la trappe. Et maintenant, je vais pouvoir retirer le cellophane. Et voilà. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à retailler un petit peu là-dedans, et puis c'est bon. Voilà. Alors, la dernière fois, j'avais attendu 5 jours. Là, j'ai attendu qu'une seule journée. Mais on voit bien, en fin de compte, la colle n'est pas sèche à l'intérieur. Voilà. Donc, normalement, pour bien faire, il faut attendre au moins 5 jours. Et ben voilà. De telle sorte, j'ai réussi à refaire mon joint de trappe. Impeccable. Allez, musique de fin !